Nous sommes au cinéma Aventure, au cœur de Bruxelles, pour la soirée Face Caméra avec des cinéastes afropolitaines, présentée par la section bruxelloise de l'Africa Film Festival, festival du film africain qui existe depuis 25 ans ici en Belgique. Nous avons décidé de célébrer le travail des femmes cinéastes afropolitaines. Et par afropolitaine, on entend toutes les femmes cinéastes aux origines africaines, quelles que soient d'où elles viennent, du continent ou des diasporas. Ce soir, on a la chance et le privilège de recevoir une réalisatrice belgo-camerounaise, Rosine Bakam, qui vient nous proposer son film Le deux visages d'une femme bamlékée. Elle est là avec nous. C'était des moments que je rêvais avoir, la séquence sur le lit avec mon fils, je rêvais de l'avoir. Je rêvais de ce partage avec ma mère, qu'il échange quelques mots avec ma mère. Je rêvais de tous ces moments. Donc ce sont des femmes qu'on observe depuis un bout de temps et dont on est admiratif par rapport à l'engagement surtout qui est dégagé à travers leur travail. Et c'est cette passion, c'est cet engagement qui les pousse malgré tout à tenir debout, à proposer des choses, à se battre pour avoir aussi cette place. Première lauréate, c'est Monique Boba. Pour le Africa Film Festival, qui a toujours suivi de près le travail de Monique, c'est un parcours de la combattante, c'est un parcours de persévérance. Pour tous les pays, ce n'est pas que le cinéma africain qui m'inspire. Le cinéma est peut-être mon pays plus que tout autre pays. L'Africa Film Festival, ayant le privilège de te connaître depuis ton début, est témoin de l'exigence et de l'énergie que tu investis dans chacune des rôles que tu te confies. Et donc c'est avec bonheur et avec joie et avec amour, Babitida, que je te rends ce prix. Merci beaucoup de cette rencontre. C'est énorme, j'en tremble encore, j'ai craqué, j'ai pleuré parce qu'en fait c'est comme si c'est un encouragement à un prix avant tout, et je le souhaite d'ailleurs à tout le monde. Et l'émotion que j'ai ressentie, c'est vraiment... Je sais pas, c'est comme si on me disait bravo, mais pas le simple bravo qu'on dit à la sortie d'un théâtre. C'est comme si mes pères me disent merci de faire ce que tu fais, continue à le faire comme tu le fais. Et moi, ça me bouleverse, et de voir qu'il y a toute une organisation qui est mise derrière, invitée du monde, et on est là, et on me remet ce prix. Ça me touche. Je ne sais pas quoi dire d'autre que ça me touche. Ça me donne beaucoup de courage. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de valoriser les cinéastes des mondes africains, et est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin? Je vais dire qu'un besoin pour nous. Pour nous, oui, mais sinon les autres, ils continuent à faire du cinéma entre eux, excusez-moi. Hein. Je veux dire, regardez qui est financé, c'est tout. Je veux dire, ça reste... des petites cacahuètes, je parle pas, merci de m'inviter, hein. Je parle pas de ça, hein, du tout, hein. C'est pas vous. Mais je veux dire, financièrement, on donne des petites cacahuètes juste pour qu'on se révolte pas trop, qu'on reste gentil. À un moment, c'est bon, quoi.